J'ai été donc complètement au secret toute l'année 42 et une partie de l'année 43. Ma fille, c'était la 131 au premier étage. J'ai été au secret à Fresnes, je suis allée à la 421 les derniers temps. Moi, j'ai été arrêtée le 20 juillet 43. Il y avait déjà un an à peu près que j'étais complètement dans la clandestinité. Oui, quand on a plongé dans la résistance, on a fait le sacrifice de sa vie. Mais quand on doit vivre sa mort, quelque sorte, au jour le jour, heure par heure et minute par minute, c'est plus du tout la même chose. C'est très, très dur. Et la vie est quelque chose, l'instinct de vie est quelque chose d'absolument formidable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on continue à lutter. Parce qu'on espère toujours, on espère désespérément qu'un jour, peut-être, un miracle arrivera qui fera qu'on reverra la vie. Quelquefois, le commandant venait se promener. Le commandant de Fresnes se promenait pour surveiller les gens qui étaient en bas. J'avais donc rendez-vous avec un prêtre qui était un agent de la Gestapo. C'est le seul de tout le réseau sur lequel j'ai fait faire une enquête. Ah, tu vois, quand même. C'est extraordinaire, mais j'ai demandé à une religieuse qui s'appelait Sœur Ernestine de faire une enquête. Quand j'ai su que c'était un véritable prêtre qui était dans une paroisse voisine de la nôtre, je me suis dit, je délire, c'est pas possible que ce type-là soit un agent d'allemand. J'avais donc rendez-vous ce jour-là avec un membre du réseau anglais, qui s'appelait Gilbert, et avec le traître. Alors, je vais donc à ce rendez-vous, et je fais le trajet de la gare de la Bastille à la gare de Lyon, et à mi-chemin, j'ai eu brusquement une sensation de danger. Et je me souviens avoir dit à Gilbert, allez-vous-en. Il m'a regardé avec des yeux d'épagnol breton et il s'est éloigné. Et j'ai continué quelques pas encore avec Alèche. Et Alèche était le prêtre. Le prêtre. Je suis arrivée à l'endroit où on perforait les billets et Alèche a montré son billet. Je le vois qui s'éloigne et je vois que personne ne part derrière lui et on me touche l'épaule et quelqu'un me dit « Police allemande, suivez-nous ». J'avais décidé en mon fort intérieur que si j'étais arrêtée avec preuve, je donnerais mon identité véritable. Parce que j'ai trouvé que c'était bien qu'il y ait des gens de la famille de Gaulle qui soient aussi du côté de ceux qui souffraient et qui étaient arrêtés, etc. Je faisais partie d'ailleurs du comité directeur de Défenseurs. C'était indéniable que j'avais travaillé contre ces messieurs les Allemands. C'était indéniable. Ça, tu ne pouvais pas nier. J'ai été en fait arrêtée par l'inspecteur Bonny. Bonny et Lafont, c'était une sale paire. Il travaillait pour la Gestapo. Très bien. Donc il ne savait rien du tout. Parce que le type qui nous a fait arrêter, qui était un indicateur de la Gestapo, qui avait sa fiche de paye, qui a été d'ailleurs arrêté et également exécuté, qui s'appelait Serge Marongin, ne me connaissait pas du tout. J'ai été arrêtée le 6 novembre 1941. Voilà. C'était une semaine avant d'avoir mes 19 ans. Et j'ai fait pratiquement 2 années de prison, la santé, à Fresnes, à Romainville. Et ensuite, j'étais déportée au camp de Ravensbrück. La chatte, donc, était l'adjointe à notre chef de réseau. Elle a tout balancé du premier coup parce qu'elle disait qu'elle ne supporterait pas la prison. Elle a été condamnée à mort. Exécutée. Voilà, la chatte. Oh, pas du tout. Elle était libérée au bout de 3 ans, voyons. Il y a eu l'amnistie, la loi d'amnistie. C'était la même chose avec... avec la personne qui nous a dénoncé. Qui nous a dénoncé, elle, simplement pour toucher la prime.
J'ai été arrêtée à Paris. Ce matin-là, j'ai eu... Très tôt le matin, j'habitais rue de Grenelle. Et vers 7h du matin, enfin très tôt le matin, on a frappé à ma porte. Naturellement, on ne savait jamais qui frappait. J'ai ouvert, c'était un de nos camarades qui venait me dire que j'avais un rendez-vous immédiat, très vite, très tôt, avec avec Daniel Cordier, avec qui je travaillais, au métro Edgar Quinet. Qui était le secrétaire de Jean Moulin. C'est ça. Mais Jean Moulin était déjà arrêté. Arrêté et avait déjà disparu. Il est mort le 8 juillet. Oui. On l'a descendu du train, enfin, en principe, on l'a descendu du train à Metz, mort. Alors nous avions continué et Daniel Cordier tenait toutes les responsabilités sur ses épaules avec Claude Serreul qui avait succédé à Jean Moulin. J'étais donc dans cette équipe. J'ai pédalé sur ma bicyclette jusqu'au métro Edgar Quinet. Et là, j'ai rencontré Daniel qui m'a dit la valise qu'on vous a remise hier contient des documents très importants et il faut que vous trouviez un lieu sûr pour la cacher. Je suis arrivée rue de Grenelle. Je me rappelle que j'ai jeté ma bicyclette dans ma hâte dans l'entrée et j'ai grimpé les escaliers à toute vitesse, deux marches par deux marches. Je suis arrivée à la porte et j'ai ouvert et j'ai crié, pensant que mon amie Claire était rentrée. Claire, t'as un très grand appartement. Personne n'a répondu. J'ai franchi l'espace qui me séparait de ma chambre, qui était assez petite. Et là, j'ai vu, il y avait cinq hommes qui m'attendaient. J'ai essayé de me sauver par un escalier intérieur, mais naturellement, on m'a rattrapée. On m'a mis tout de suite les menottes au dos et... À ce moment-là, j'ai eu comme une espèce de prémonition, de vision. On dit que les noyés voient leur vie au moment où ils se noient. Et moi, je crois que mon être physique a senti ce que j'allais avoir à endurer. Et en somme, la mort. Et je me suis mise à trembler de la tête aux pieds. Et j'étais absolument furieuse. De trembler, je me disais, mon Dieu, pourvu qu'ils ne s'en aperçoivent pas. Alors ils ont commencé à me poser des questions et j'ai commencé à nier. Et ils m'ont dit, nous avons les moyens de vous faire parler. J'ai répondu, je sais que vous êtes capable de tout. Et à ce moment-là, j'ai reçu une gifle formidable et ça m'a remis d'aplomb. C'était pas le but de l'opération. Mais, quand même. Mais j'ai repris, ça a arrêté, n'est-ce pas, ce phénomène. Et à ce moment-là. J'ai cessé de trembler immédiatement. J'ai cessé de trembler et à partir de ce moment-là, je me suis sentie comme armée d'une sorte de force impossible à abattre et qui m'a suivie. Il faut dire, je ne sais pas si. Je pense que c'est aussi votre cas. Nous nous préparions tous à ce moment-là. Nous y pensions. Enfin, moi, personnellement, j'y pensais énormément. Et je me disais, il y aura un moment où je saurai, je ne comprendrai plus pourquoi il faut que je me taise. Et parce que je savais qu'il y avait un moment où ils réussissaient à nous détruire entièrement. Et je me disais que quand ce moment-là arriverait, je me fixerai sur un point, je ne parlerai pas. Est-ce que je me suis poussée ? Oui. Et c'est ce qui est arrivé. Enfin, je suis arrivée à ce point-là et j'étais fixée sur cette seule pensée. Ne rien dire, quelle que soit l'apparence. Quoi qu'il arrive. Et surtout ne pas commencer à dire quelque chose. Et surtout ne pas commencer à dire quoi que ce soit. C'est ça ce qu'on a fait. Parce que c'est comme une espèce de après d'entraînement. Même quelque chose qui pouvait paraître ainsi. Oui, absolument. Oui, c'était ça là. Le truc était ici, le lavabo. Il y avait un lavabo. Oui, il y avait un lavabo. Une table un peu plus petite que celle-là. Un peu plus petite et en bois brut. Moi, j'ai énormément souffert de la faim, ici, dans la cellule. De la faim et du froid. Parce que la faim, ce sont les débuts qui sont les plus terribles. Après, on devient de plus en plus faible et on souffre moins localement, je dirais. Et quant au froid, c'était un froid très pénétrant puisque la cellule, la prison n'était plus chauffée à cette époque.
Je me sentais très très mal parce que à la suite de mes interrogatoires, je pense à cause de la faim, du froid, à cause de la terrible fatigue de ces 5 jours et 5 nuits d'interrogatoire, je me suis sentie très très mal et je perdais souvent connaissance. Et j'ai entendu cette voix qui sortait de la bouche de chaleur qui était ici, et qui n'existe plus maintenant, et qui me disait « Prends ton matelas, roule-le, mets ta chaise par-dessus, tâche d'atteindre l'étagère, qui était juste en dessous de la bouche de chaleur, tâche de monter sur l'étagère et d'atteindre donc cette bouche de chaleur qui était tout en haut. » Alors je suis montée, je suis tombée, retombée. Enfin, j'ai fini par réussir à passer mon bras là-haut, attraper cette petite chose qui pendait au bout d'une ficelle qui avait été fabriquée par mes camarades qui étaient à 2 étages au-dessus. Et il y avait un sucre, un petit morceau de gâteau, quelque chose de très petit comme ça. Et un Kleenex avec une mine et aussi un message me disant si tu veux envoyer un message, nous t'enverrons tous les jours quelque chose à cette heure-là, et si tu veux envoyer un message, tu nous le renverras et nous essaierons de le faire passer à l'extérieur. C'est à ce moment-là que j'ai écrit ce message pour demander des fils de telle ou telle couleur si ma mère, mes frères et sœurs, Daniel Cordier et Claude Sérol avaient été arrêtés, et d'une autre couleur s'il ne l'avait pas été. Et la réponse, toujours par la bouche de chaleur, a été « ce sont des fils de telle couleur » et c'était toutes les bonnes couleurs. Si bien qu'à partir de ce moment-là, j'ai tout de même eu l'immense soulagement de savoir que ma famille était saine et sauve, d'une part, et que tout avait pu recommencer, puisque ni Daniel ni Claude n'avaient été pris. Et on nous a enfournés, on nous a fait nous hisser dans ces wagons à bestiaux où nous étions horriblement serrés et où il y avait comme unique mobilier ce qu'on appelait une tinette, c'est-à-dire une espèce de grande cuve et besoin naturel. Il y avait une toute petite ouverture grillagée par où tout de même un tout petit peu d'air arrivait, mais bien heureuse celle qui était près de la petite fenêtre. J'ai jeté un message que j'avais griffonné dans le train. J'ai entreaperçu deux ombres peut-être, une ou deux ombres rapidement comme ça, et j'ai jeté mon message à ce moment-là. Et j'ai eu l'impression qu'on se précipitait. Et ce message a été porté. Tous les messages que mes camarades ont jetés par les fenêtres sont arrivés. Ils sont arrivés, ça veut dire qu'il y avait des dizaines de cheminots qui guettaient ces messages pour aller les porter. C'est pour ça que quand on nous dit que tous les Français étaient indifférents, je dis non. Ces gens qui allaient de nuit le long des trains pour ramasser des bouts de journaux et les mettre dans une enveloppe avec un timbre, ils risquaient la même chose que nous, finalement. On était déportés pour moins que ça, quelquefois. Quelquefois pour rien du tout. Et puis nous sommes arrivés à Ravensbrück, et là... Et à Ravensbrück, alors là, c'est tout de suite les hurlements, la nuit noire. Plus que tout le reste, moi, ce qui m'a le plus ému, c'est les visages de nos premières camarades. C'était vraiment un choc, parce que j'avais jamais vu des visages comme ça. Des visages déshumanisés, des visages ravagés, mais plus que ravagés. C'était pas un ravage physique, c'est pas comme un malade. C'est comme quelqu'un qui a perdu ce qui fait sa valeur humaine, cette espèce de... Je ne sais pas, c'est comme ça que ça m'a semblé. C'est probablement pas vrai de toutes.
Mais c'est là que j'ai eu une espèce de première approche de ce que pouvait être le régime concentrationnaire nazi. C'est-à-dire des gens qu'on était en train de détruire, pas de détruire physiquement, ça après tout, on les était prêts à le faire, mais de détruire beaucoup plus gravement dans leur valeur, dans leur dignité, dans ce qui fait un homme, une femme, enfin un être humain. Ça, c'était un choc terrible. Ce qui arrivait était toujours bien pire que ce qu'on avait pu essayer d'anticiper. Imagine. On est quand même plus fort si on peut anticiper. Alors qu'on est arrêté comme résistant, on nous garde, on veut nous faire passer au tribunal militaire allemand, et puis tout d'un coup, vous ne passez pas devant le tribunal militaire allemand, on vous emmène à Ravensbrück dans un bloc spécial, puisque c'était le bloc des NN. Je me souviens que tu y venais. Mais ce n'est pas pour voir Jacqueline. C'est pas Jacqueline... mon Dieu, comme j'oublie. Pourtant, je sais. Jacqueline Richet que tu venais voir. Ah oui, entre autres. Nous étions côte à côte en Lely. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi je me souviens de toi à Ravensbrück. Tu te rappelles dans quel état j'étais? J'avais des grosses plaies d'avitaminose partout. J'étais à peu près aveugle. Enfin, j'avais beaucoup de problèmes. Je ne voyais rien. Je ne faisais pas mes tâches. Et j'ai été battue pendant huit jours, plus que je n'ai jamais été battue pendant tout mon séjour au camp. Donc, à ce moment-là, j'ai été sauvée par ce qu'on appelait la solidarité du camp, c'est-à-dire une de nos camarades tchèques qui s'appelait Milena Seborova et qui vit toujours. Mais il y avait ce moment où, soit pour les autres, soit pour soi-même, enfin, moi je l'ai vécu, si tu veux, pour moi, pas longtemps avant la fin, où j'ai eu l'impression que c'était fini, que je ne pourrais plus avoir un jour de vivre un jour de plus. Et il y a eu ce miracle qui nous est arrivé à chacune d'entre nous, la rencontre d'une camarade qui est intervenue pour que je ne travaille plus, que je puisse ne plus travailler. Mais on avait appris, je ne sais pas si tu as eu le même souvenir, à lire les signes sur les visages. Et oui. Je me souviens de certaines camarades qui... Tout à coup, on voyait ce signe de la mort. On savait, oui. Deux ou trois jours après. Oui, c'est vrai. Il faut bien dire que la plupart mouraient, enfin je parle des derniers temps, mouraient de problèmes d'intestin, de problèmes de dysenterie. Et peut-être que ça marque le visage d'une façon épouvantable. Je crois que beaucoup sont morts de cette horrible maladie qui finalement est dégradante. C'est une mort dégradante. C'est comme ça que j'ai vécu. Enfin, peut-être que j'exagère dans les termes, mais je me disais, mais je ne vais pas mourir de ça, c'est pas possible. Les pauvres malheureux se traînaient là. C'est terrible. Mais je me sentais aussi vraiment faiblir. Mais je m'accrochais, j'avais décidé que je ne lâcherais pas. C'est incroyable. Je crois que c'est l'apanage de la jeunesse. On trouve une force, une volonté de vivre qui est peut-être encore plus forte qu'à un autre âge. Je ne sais pas. Je me demande. En tout cas, je l'avais. La volonté de vivre, la volonté de sortir vivante de là. Ça, je l'avais. Et j'ai cherché bien à la communiquer à tout le monde, mais ce n'était pas facile. Il fallait presque se battre pour survivre. Donc, moi, j'ai souvent parlé de cette fraternité qu'on a éprouvée dans les camps, et j'en parlerai toujours, car c'est une des choses tellement extraordinaires que nous avons vécues et que nous partageons encore aujourd'hui, parce que nous ne nous regardons pas, il y a quelque chose en commun entre nous qui est autre. Il y a une partie de notre expérience que nous ne pouvons partager qu'entre nous, que nous ne pouvons pas communiquer du tout. Moi, ce qui m'a frappée, c'est un enfant mort. Je n'ai jamais oublié, cet enfant a hanté toute ma vie. C'était au début, je crois. Oh oui, c'est dans le premier mois que j'étais à Ravensbrück. Lorsque nous étions au bloc 11, c'est-à-dire encore au bloc de quarantaine, il fallait aller chacun son tour chercher les grandes marmites norvégiennes pleines de café le matin, très tôt. Et je me suis trouvée avec une Française qui était du même convoi que moi. Et
En passant, la nuit, on sortait toutes les mortes déjà, même en 43. Toutes celles qui étaient décédées dans la nuit, on mettait leurs cadavres à la porte nue, à la porte des blocs. Et au milieu, il y avait un bébé avec un nouveau-né, puisqu'il y avait encore un morceau du cordon ombilical, et avec un petit trou là, un peu de sang qui avait coulé. Je suis restée sans pouvoir dire un mot devant cet enfant. C'est-à-dire que moi, je ne le voyais pas. Et puis, Francine, qui était avec moi, dit « Oh, un bébé !» Alors, j'ai donc regardé. Et puis, cet enfant mort, qui était magnifique, là, m'a toujours hantée. Ça a été épouvantable. Je me suis dit, ils en sont là. On voyait bien qu'il avait pris une balle. Ça, c'était en août, le premier jour d'août 1943. Ramasser des cadavres. J'ai eu cette tâche-là une fois. Alors, dans ce cas-là, nous avons dû, toutes les deux, porter cette malheureuse jusqu'à la mort, que j'ai toujours, toute ma vie, eu cette vision de cette mort avec cet empilement de cadavres qui attendait comme les alliés ont trouvé, au crématoire. Qui attendait pour être brûlé au crématoire, parce que le crématoire avait un rendement insuffisant pour le nombre bien qu'on ait construit pour le nombre de morts. On a reconstruit, on avait construit un deuxième crématoire. Même oui. Avec deux crématoires, mais ils n'arrivaient pas à brûler tout leur débit de morts. D'autant plus qu'un des crématoires, on l'a tellement rempli que c'est lui qui a pris feu. C'est ça. En particulier à ce moment-là, quand il y a eu cet incendie, ça a été monstrueux. Ce sont des choses dont on ne peut jamais oublier. Et la moindre chose qui commence à ressembler à ça me bouleverse terriblement. Et puis on parle toujours, ça m'a frappé dans les dernières émissions, on parle toujours de la fumée des crématoires. Moi, j'ai souvenir de flammes immenses. Qui sortaient Ces cheminées, des flammes énormes. Et je me souviens, c'était pas de la fumée, c'était des flammes. Et la fumée par-dessus, naturellement. Mais vraiment une immense colonne de flammes. Et je me souviens toujours d'une des sœurs, il y avait Madeleine Tambour. Et je pense que c'est parce que sa sœur était tellement malade à ce moment-là que... Je crois qu'elle a dû penser encore. Elle se disait que... Elle a pensé à sa sœur encore. Qu'elle allait partir. Oui. Que sa sœur allait partir comme ça. Parce qu'on ne peut jamais oublier si... Il faut essayer, pour vivre, de le garder un peu à distance, mais c'est toujours présent. C'est ça la part incommunicable. Il y a une part incommunicable qui n'appartient qu'à nous. Nous ne pouvons pas partager. Mais c'est ce qui explique aussi... Que c'est très difficile d'en parler. Très difficile d'en parler. Mais ce qui explique aussi, c'est que nous pouvons arriver à en parler un tout petit peu aujourd'hui, parce que nous sommes ensemble, et seuls nous n'y parviendrions pas. Après toutes ces années, on nous demande de témoigner, c'est comme un devoir pour nous. On pense qu'on est rentré pour ça. Oui, et qu'il faut que toutes nos camarades qui sont mortes là-bas, elles voulaient que nous témoignions. Elles voulaient que... Oui, il y en a quelques qui ont essayé de vivre pour témoigner. Il a fait... Et c'est une façon de les garder vivantes. C'est ça le... Cette façon, je ne sais pas si c'est de les garder vivantes, mais en tout cas de les garder avec nous. Oui, oui. Nous faisons toujours partie. Et de les faire vivre pour... Nous faisons toujours partie du même troupeau, si j'ose dire. Les mortes et les vivantes.
l'une d'elles, entre autres, Anne, qui est venue me voir et qui a passé un moment sur la paillasse avec moi, et j'ai compris qu'elle était à toute extrémité. Et nous sommes restés ensemble un grand moment. Et c'était fini. Pour elle, le lendemain ou le surlendemain. Oui. C'était impossible de vivre dans des conditions pareilles. Elle voulait que le crime qui avait été commis sur elle survive à leur mort. Mais on leur prenait des morceaux de muscle, etc. Mais en plus, on leur inoculait des staphylocoques dorés, des streptocoques. Et puis il y avait même le tétanos. On a essayé de. Bon, ces opérations sont faites d'une manière effroyable d'ailleurs. Elles ont essayé de se révolter, elles n'y ont pas réussi. Et à la fin, il y a celle qui était morte parce que l'opération n'avait pas supporté, ou des suites de l'opération. On les appelait d'ailleurs tout à fait officiellement au camp. Les lapins. Les Kaninchen, ce qui veut dire les petits lapins. En réalité, elles avaient, elles aussi, elles étaient certaines que le commandant du camp les ferait tuer avant la libération. Elles ont profité d'une arrivée de prisonnières de Varsovie pour voler un appareil photographique contenant une bobine à demi impressionnée. Et avec cet appareil photographique, elles ont photographié leurs jambes et ensuite elles ont détruit l'appareil et elles ont cherché à qui elles devaient confier cette bobine et elles ont décidé de me la confier. Elles risquaient la mort en volant un appareil photographique, de même que je risquais la mort en détenant dans ma poche une bobine photographique représentant un des plus grands crimes commis à Ravensbrück, c'est-à-dire le crime de vivisection sur des jeunes filles, des jeunes étudiantes. Oui, je suis restée à Ravensbrück. On s'est caché dans les plafonds. Vous voyez, oui. Moi aussi. Bon. Alors, avec Coury, tout ça. Elle était là, Coury, je crois. Oui, il me semble bien. Nous étions une douzaine, oui. Oui. Et nous n'étions plus immatriculés, rien du tout. Et c'est la polonaise qui était chef de chambre qui se débrouillait pour nous trouver à manger. Enfin, moi, depuis, je lui envoie à manger. Après le moment où nous nous sommes cachés dans ce faux plafond, nous nous sommes concertés pour savoir quoi faire et finalement, nous nous sommes dit qu'il fallait nous révéler à la bloc. Voilà, chef de bloc était une femme qui ne nous inspirait pas beaucoup de confiance, mais tout de même, elle a trouvé que notre histoire était intéressante, que nous avions eu du courage, du flair de faire une chose pareille. Et elle nous a dit, bon, vous restez, mais je ne veux pas vous connaître. Donc, nous n'étions plus comptés dans les effectifs du camp, et ça voulait dire que nous ne recevions plus de nourriture. À ce moment-là, nous avons eu une amie qui s'appelait Lydia, à la cuisine, qui, informée de notre situation polonaise, a mis de côté un bidon de soupe à côté de la cuisine et nous allions chercher ce bidon tous les jours. Nous avons été obligés d'ailleurs de nous faire aider par une sorte de garde parce que nous étions attaqués par des prisonnières réduites à la dernière extrémité, sans doute des prisonnières de l'attente, qui se jetaient sur nous, et je sais qu'une fois nous avons eu notre seau renversé et nous avons vu ces malheureux se jeter à plat ventre pour lécher la soupe qui disparaissait dans le mâche-fer. Le regard des femmes qui sortaient du camp, c'est un regard sans expression, un visage sans âge. C'est impressionnant. Voilà. Moi, je me suis rendu compte de la tête que nous avions à cause des gens qui nous regardaient dans les rues en Suède. Qui nous regardaient avec effroi. 32 kilos. J'ai encore ma fiche de Suède.
le commandant de la Croix-Rouge suédoise a montré les papiers sur lesquels Himmler avait donné l'ordre de donner toutes les Françaises à la Croix-Rouge suédoise. Himmler avait l'intention de succéder à Hitler. Et pour succéder à Hitler, il fallait que quelqu'un, un neutre quelconque, transmette une lettre de lui au général en chef de l'armée de libération, c'est-à-dire au général Eisenhower. Or, très intelligemment, le chef de la Croix-Rouge suédoise, c'est-à-dire le comte Bernadotte, a dit « Bon, je transmettrai ce que vous voudrez, mais à une condition, c'est que vous me donniez toutes les Françaises qui sont dans le camp. » À ce moment-là, Himmler a dit « D'accord, mais tout ça a été fait à l'insu de Hitler. » Le commandant du camp a obéi à son chef direct, qui était Himmler, et le chef direct avait donné l'ordre de remettre toutes les Françaises à la Croix-Rouge suédoise. Or, il restait une poignée de Françaises qui n'avaient pas été livrées ce jour-là, et dans cette poignée de Françaises se trouvait notre Jacqueline. Et nous étions gardés donc comme otages, finalement. Comme otages par le commandant du camp. Comme otages pour lui, personnellement, commandant de Ravensbrück. Il voulait avoir ses propres otages. Nous sommes partis dans des autocars de la Croix-Rouge. Et le lendemain, comme on a su qu'il y avait encore quelques Françaises à sauver, on a vite pris des camions sur lesquels on a peint une Croix-Rouge rapidement. Et nous avons fini donc par être appelés. Nous avions retrouvé nos identités, ce qui était toujours très mauvais signe en général. Et nous avons enfin franchi cette porte du camp. Dernière plaisanterie du commandant, il nous a fait prendre la direction des faux camatoires. Et puis, dans un grand rire, il nous a indiqué la route. Nous avons attendu avec beaucoup d'angoisse parce que les SS continuaient à tourner autour de nous et pouvaient à tout instant nous faire disparaître, évidemment. Oui. Puis, ils ont fini par arriver et ils nous ont dit, voilà, nous ne pouvons pas partir... c'est trop tard, c'est dangereux de circuler. Alors, vous allez rentrer au camp pour dormir. Et nous partirons demain. Alors, nous les avons suppliés de nous emmener au moins à quelques kilomètres de là, ce qu'ils ont fait. Et nous nous sommes arrêtés dans la forêt à quelques kilomètres de Ravensbrück. Et je me souviens d'avoir marché sous le couvert de cette forêt, seule. Et c'était vraiment la première impression de liberté extraordinaire. Et puis ensuite, on a continué la route. Donc, et puis l'arrivée sur le bateau à Copenhague. Ah, oui. Et sur le Malme, le ferry boat qui s'appelle Malme. Et le personnel du bateau nous servant un repas qui nous a paru féerique. Et nous, jetant du pain aux mouettes. Ce qui était vraiment le geste extraordinaire, puisqu'on en était à avoir assez de pain pour en donner aux mouettes. Pour en donner à d'autres, oui. C'est incroyable, oui. La chose que j'ai faite, c'est d'aller dans notre maison de famille à la campagne. Nous avons pris le petit train qui nous amenait jusqu'à la gare, une petite gare plantée au milieu des champs, à peu près un kilomètre du village. Et le train, comme d'habitude, partait trop loin, trop vite, dépassait le quai, et je vois une foule sur le quai. Alors je demandais à ma sœur, mais qu'est-ce que c'est? Il n'y avait jamais personne sur ce quai. Alors elle rit un peu. Et puis je descends du train et à ce moment-là, un de mes frères et un ami d'enfance se détachent de cette foule et courent et ils m'enlèvent dans leurs bras et ils me ramènent vers cette foule. Et je suis rentrée donc à la maison, accompagnée comme ça par tout ce pays qui est toujours resté le mien. Tu touchais l'enfance vraiment à ce moment-là. Oui, vraiment.
Quand je suis rentrée de captivité, la maison que nous habitions était entièrement en ruine. Ma grand-mère était morte 2 mois avant mon retour. Ma sœur était en Indochine avec ses enfants, son mari et ses enfants. Et maman avait été assassinée à Ravensbrück le 2 mars 1945. Par conséquent, je suis arrivée vraiment dans le noir. Dans le noir. Notre retour n'a pas été gai du tout. Il a même été tragique pour un certain nombre d'entre nous, qui avaient tout perdu, qui ont appris en arrivant que leur mari était fusillé, que leur fils avait été tué dans un maquis, qu'elle n'avait plus de maison, qu'il n'avait plus de... Alors c'est aussi à ce moment-là que cette fraternité qui nous unissait dans les camps a continué à nous unir. Quand je suis revenue de captivité, alors à ce moment-là, j'ai demandé ma carte de visiteuse de prison. Et là-dessus, j'ai créé les centres sociaux en Algérie. Et puis, tout à coup est arrivée la guerre d'Algérie. Or, j'étais spécialiste de l'Algérie avant mon arrestation. Alors, j'ai donc été accaparée par les malheurs de la guerre d'Algérie. Et pendant les malheurs de la guerre d'Algérie, j'ai eu, comme d'habitude, mon amie Geneviève, mon amie Jacqueline, qui étaient près de moi pour m'aider, et beaucoup d'autres, pour m'aider à lutter contre la torture et à essayer de sauver le plus de gens possible. Et aussi à passer les lettres aussi que tu adressais au général de Gaulle. Et bien sûr. Et alors, le résultat, c'est que lorsque je me suis trouvée en présence des terroristes algériens et que je suis revenue à Paris, j'avais des amis intimes qui étaient au plus haut poste du gouvernement. C'était avant le retour du général de Gaulle, puisque ça se passait en 57. Quand je suis revenue à Paris, j'ai téléphoné le lundi matin à Louis Mangin, qui était donc un ami d'enfance, et Louis Mangin a immédiatement alerté Bouloche, et c'est à ce moment-là qu'il m'a demandé aussi si j'accepterais de retourner là-bas et d'essayer de nouer un dialogue avec le FLN. Et alors je me souviens que j'ai dit textuellement à André Bouloche, j'ai dit j'accepte, mais pas de saloperie. Ça voulait dire, il ne faut pas qu'on essaye de m'utiliser pour tendre des traquenards à droite à gauche. Alors il m'a dit, vous avez ma parole d'honneur. Or, Bouloche était un ancien déporté, il était aussi un résistant de la première heure. Bref, j'ai dit d'accord, je suis repartie là-bas. Ce que tu as fait, Germaine, dans ton action auprès du FLN et dans ton action auprès des hommes politiques français, c'est que tu as essayé de rompre le cercle. Ce qui fait que, par exemple, à un attentat du FLN, répondaient des arrestations, des tortures, etc. Puis un nouvel attentat parce qu'il y avait eu des exécutions. Oui, c'est un cercle entièrement vicieux. Alors, j'ai essayé d'obtenir qu'ils ne fassent plus d'attentats et que de notre côté, on arrête les exécutions capitales. C'était mes deux objectifs. C'était que du côté français, on arrête les exécutions capitales et que du côté algérien, on arrête les attentats et qu'à la faveur de cette accalmie, on puisse négocier. Je suis venue ici pour la première fois en octobre 58. C'était la fin de l'hiver. Il avait beaucoup plu. C'était un grand paysage de terrain vague. Il y avait des bidonvilles plus ou moins grands un peu partout dans tout ce coin ici. Et il y avait ce qu'on appelait des igloos, c'est-à-dire des abris fabriqués. C'était l'abbé Pierre qui avait l'initiative de cette campagne, avec des tôles, des espèces de plaques de ciment ondulé en demi-cercle, c'est pour ça qu'on appelait ça des igloos. Alors ici, tout s'arrêtait. C'était comme quand on entrait en prison, c'est un autre monde. Il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'électricité. De même que les premiers visages que j'ai rencontrés en entrant dans un camp de déportés m'ont appris très vite ce que ça pouvait être que l'univers concentrationnaire,
En regardant les visages, je rencontrais ces visages marqués par la misère de tous les jours et par le manque d'espoir d'en sortir. Ça a été un premier choc. Au fond, j'ai tout à coup eu devant moi ce qu'était la grande pauvreté. Et pour moi, quelle atteinte aux droits de l'homme aussi elle représentait. Puis il y avait des enfants, il y avait plein d'enfants ici tout autour. Je me suis dit, dans quelques années, ils vont être comme leurs parents. C'est pas possible, ils ne vont pas s'en sortir. C'est le même avenir qui les attend. Et ça, c'est insupportable. Alors j'ai dit au Père Joseph, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Et il m'a dit, alors la première chose qu'il m'a dit, il m'a demandé de faire une campagne pour le charbon, parce que c'était un hiver qui allait être très dur, on l'annonçait comme très dur, et que l'hiver précédent, il y avait des gens qui étaient morts de froid, des enfants en particulier. Il y avait deux petits-enfants qui étaient morts brûlés vifs dans un des igloos. La maman avait dû aller faire des courses, elle avait emmené les plus grands, les petits étaient enrhumés, et le feu a pris, elle avait essayé de cloisonner un peu avec du papier, et ses petits-enfants sont morts. Nous sommes retrouvés dans cette chapelle, les familles du camp, et puis quelques amis, avec le Père Joseph qui célébrait la messe, tous serrés dans cette chapelle qui n'est pas grande, vous voyez. On était tous les uns contre les autres. Et tout à coup, j'ai senti une odeur. C'est l'odeur de la misère. L'odeur de la misère, on ne peut plus jamais l'oublier. C'est celle que nous avions sur nous à Ravensbrück. L'odeur des corps qui ne peuvent pas se laver, dont le linge ne sèche jamais. Et je me suis dit, c'est mon odeur, je la retrouve. Et ça m'a confirmé dans un sentiment profond de solidarité avec ces familles. Je considère que mon engagement à TD Carmonde, qui ne peut pas ne pas durer jusqu'à la fin de ma vie, quelles que soient les tâches qui me sont assignées par ailleurs, et tout à fait dans la continuité de ce qu'a été d'abord mon engagement dans la résistance, et après de mon combat dans les camps même de déportation. Alors ça vaut la peine de réfléchir. Moi, le pays pour lequel je me suis battue, et pour lequel nous avons souffert dans les camps, et mes camarades sont morts, c'est une démocratie. Ça veut dire que tous ceux qui en font partie sont des citoyens à part entière. Sinon, c'est pas la France telle que je la connais, telle que je la reconnais. Alors je continue à me battre pour ça. Et maintenant, je suis depuis 7 ans au Conseil économique et social. J'essaie aussi de représenter les très pauvres. Il a marqué ma vie, cet enfant. J'ai vraiment eu envie de les défendre, de m'en occuper. Voilà. Mais c'était un travail passionnant. Mais j'ai pas pu. Au début, je sentais bien que je ne pourrais pas le faire. J'aurais été beaucoup trop. Je crois que j'aurais sorti mes griffes beaucoup trop fréquemment. Je me serais beaucoup trop impliquée au départ. Il fallait que j'atteigne un certain recul. Un certain recul pour être juge avec beaucoup plus d'objectivité. Essayer de comprendre pourquoi l'enfant est battu, ce qu'on peut faire au niveau des parents, etc. Parce que c'est ça finalement, le service de prévention. Et lorsque j'ai cru, on m'avait demandé bien souvent d'accepter un poste dans cette spécialisation. Parce qu'on a affaire à des familles difficiles et bon, bah, c'est vrai que je ne paraissais pas avoir particulièrement peur. Donc, je vois pas qui pourrait me faire peur. Mais c'est seulement lorsque j'ai été prête que j'ai exercé jusqu'à ma retraite au service de prévention de l'aide sociale à l'enfant. C'est une cour de promenade qui a été aménagée. Au moment de la guerre d'Algérie en particulier, j'ai essayé de donner la possibilité aux prisonniers d'apprendre à lire. Parce qu'il y avait beaucoup d'analphabètes. Et je me disais, s'ils sortent de captivité, sachant lire,
eh bien, ils peuvent avoir une sortie. Ils peuvent faire quelque chose. Ils peuvent s'en tirer. Ils peuvent s'en tirer. Aussitôt que j'ai été au cabinet d'André Bouloche, qui était ministre de l'Éducation nationale, la première chose que j'ai faite, presque tout de suite, je lui ai dit, est-ce que vous accepteriez de prendre l'enseignement dans les prisons à l'Éducation nationale? Il m'a dit, pourquoi pas. Et alors, à ce moment-là, j'ai été voir Edmond Michelet, qui était un de mes amis, et qui était garde des Sceaux. Ça n'a pas fait un pli. Voyez-vous, un œil et une oreille. Un œil et une oreille. C'est tout ce qui reste aux prisonniers. L'œil et l'oreille. J'ai entendu parler pour la première fois de Promusicci en Amérique lorsque j'y allais régulièrement pour mon travail. Dès que j'ai eu assez de temps libre, je me suis occupée de cette association et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous me voyez avec Jane qui va jouer pour les prisonnières de Fresnes. NN, ça voulait dire Nachtun Nebel, ça veut dire nuit et brouillard. Et alors nous étions en principe des condamnés très sévères qu'on décapitait éventuellement en Allemagne. Elle est formidable. Ouais. C'est magnifique. Ah ouais. Vous avez été maltraité. Tout ce qui regarde que la souffrance physique, ça souffre. Je dirais même on retient plutôt les choses drôles que les choses terribles. À ce moment-là, il y avait des grands tuyaux, des tuyaux de chauffage qui étaient drôlement commodes pour se communiquer ensemble. Tout comme maintenant. Tout comme maintenant. Vous les avez encore ici? Oui, on a les tuyaux de chauffage qui passent. Ah oui, dans les cellules. C'est beaucoup mieux. Ça distrait. On peut taper dessus pour appeler la voisine. Ouais. Et c'est ce que nous faisons toute la journée. On parlait avec nos copines du haut et nos copines du bas, on ne les connaissait pas, mais on faisait connaissance par le tuyau. Au début, j'ai été tout de même pendant au moins 6 mois tout à fait seule dans ces luttes, j'étais au secret. Pas de jugement, bien qu'on m'ait dit que j'étais condamnée à mort et que je serais exécutée, que ma mère et tous mes frères et sœurs seraient arrêtés, puisque je n'avais pas voulu parler. Et ça, c'était une chose tout à fait terrible. Mais je suis restée 6 mois au secret, comme Germaine, dans la cellule 131 que je viens de revoir. Et voilà, c'est le 326. Oui. Et 326. Donc, j'ai eu cette expérience du secret comme Germaine, mais sans... Je ne savais pas quel serait mon sort. J'ai été interrogée pendant 5 jours et 5 nuits. Et avec douceur, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais. Ça veut tout dire. Ils avaient joué sur la durée, sur l'épuisement par la durée. Vous êtes resté longtemps déporté en Allemagne? Moi, en tout 3 ans. 3 ans là-bas. Tout compris. Avec ici, donc. Ici, avec là-bas, ici, oui. Et moi, j'ai été arrêtée donc en septembre 1943 et j'ai été libérée en avril 1945. Je me souviens d'un de nos camarades qui était en train de mourir et toutes nous espérions qu'elle allait mourir avant l'appel pour qu'on ne soit pas obligé de la traîner agonisante à l'appel. Elle est morte juste avant. Mais on a été obligé de la sortir quand même, mais au moins ses souffrances étaient terminées. On mourait de faim, on mourait d'épuisement, on mourait de maladies, du typhus, de la dysenterie. De toutes les maladies, les épidémies qui étaient causées par l'épuisement, l'alimentation qui manquait, tout ça. Ouais. Le manque de sommeil, vous avez purgé, comme on dit, c'est bien le mot, purgation. Oui, c'est purger notre peine. Purger. Vous pouvez quand même espérer pouvoir reprendre une réinsertion en bonne condition. Oui, bien sûr.
sans compter qu'on peut avoir des formations. Des... Oui, quelle formation? Il y a des cours au niveau français. Sur votre droite.